Bonjour, monsieur Jouzel, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, je vous entends très bien, oui. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Bah, je vous propose qu'on puisse démarrer dans le timing qui était prévu. Hein, voilà. Donc, on a peut-être un tout petit peu de retard, on est désolé. Non, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de retard. Bonjour à tous et à toutes. Non, non, c'est très bien. Prenez le temps de vous installer. Je souhaite vous remercier de m'avoir invité donc à présenter ce rapport que nous avons remis à Frédéric Vidal sur un thème qui est quand même très important, c'est la sensibilisation, la formation aux enjeux de la transition écologique et au développement durable dans l'enseignement supérieur. Alors, deux points importants, me semble-t-il. Quand on parle de la transition écologique, c'est une transition au sens large, hein, c'est très clair, plus une transformation. Ce n'est pas simplement, disons, le climat, l'énergie, ni la biodiversité ou l'environnement. C'est effectivement plus largement les objectifs de développement durable, mais ça englobe vraiment une transition socio-écologique avec une transition sociétale, c'est très clair, disons, le social et sociétal, mais aussi les aspects économiques, les aspects culturels. Donc, c'est tout ça, la transition. Et cette transition, je crois qu'il faut que collectivement, nous partions avec l'idée, effectivement, qu'elle se fera. Alors, l'idée qu'elle se fera, c'est, pour moi, c'est évident. Bon, c'est vrai que je suis climatologue, donc je me présente, Jean Jouzel, hein. Donc, Frédéric Vidal m'a, à la fin 2019, confié la responsabilité d'un groupe de travail sur ce thème. Je l'ai accepté, donc moi-même je suis climatologue, je suis intéressé toute ma carrière de chercheur que j'ai commencé en 68, largement à l'évolution du climat. Donc mon domaine d'expertise, c'est plus l'évolution passée de notre climat, mais je m'intéresse toujours aussi à son évolution future. Il y a une continuité entre l'évolution passée de notre climat et ce vers quoi nous allons. Et justement, l'intérêt des données du passé, c'est de nous fournir toute une série, disons, d'informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Donc, je suis un peu marqué climat, c'est vrai, mais il faut quand même avouer que objectivement, l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, hein, qui est affiché désormais par 120 pays dans le cadre de l'accord de Paris, voilà, et donc dans cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, sera un des marqueurs de cette transition si elle est réussie. Alors, je veux dire, je ne veux pas être trop optimiste, je suis convaincu que cette transition se fera. Je suis aussi, malheureusement, je crains qu'elle ne se fasse pas au rythme souhaité, souhaitable, et sur lesquels, d'ailleurs, 120 pays ont déjà, inscrit dans leurs objectifs cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Mais ce n'est que dans les textes, dans la réalité, nous en sommes loin. Je redis que, très brièvement, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vers 3 degrés à la fin de la deuxième partie de ce siècle, donc pour les jeunes d'aujourd'hui, pour tous ces étudiants. Donc, c'est vrai, il y a ce contexte, disons, politique porteur par rapport à l'éducation, la nécessité de l'éducation, de l'enseignement de la transition énergétique. Il y a un contexte porteur, celui de l'accord de Paris, j'ajouterais celui sur la biodiversité de l'IPBES, de ce rapport sur la biodiversité, la définition des objectifs de développement durable qui englobe, bien sûr, l'ensemble des problèmes sociaux, sociétaux, ce qui est intéressant, la nomination du Haut Conseil pour le climat, la Convention citoyenne, j'ai eu effectivement le plaisir d'y participer en tant que membre du comité de gouvernance, et puis aussi ce que je n'ai pas mis sur ce transparent, bien sûr, je crois que cette invitation de Frédéric Vidal à présider un groupe de travail, c'est aussi, je dirais, doit aussi beaucoup au mouvement étudiant, qui sont à l'époque, on est en 2017-2018, ou enfin 2019, c'est le manifeste des
étudiants, que, disons, de l'enseignement supérieur, je crois, au départ, ils étaient 15 000, probablement plus depuis. Clairement, que l'enseignement est dans leurs établissements, dans ce n'est pas ce qu'ils attendent par rapport à cette transition écologique. Et d'autres l'ont dit de façon plus, encore plus claire au cours des derniers mois. Donc, c'est ce contexte, cette nécessité, cette transition, elle se fera. C'est une véritable transformation du mode de fonctionnement de nos sociétés et comment, disons, comment rend-on tous les jeunes d'aujourd'hui sensibles à cette transition? Il faut quand même bien avouer que ce n'est pas le cas actuellement pour nos élites dirigeantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de véritable notion du lien entre nos actions de tous les jours et les atteintes à la biodiversité ou au climat ou à l'environnement, les conséquences sociétales de cette transformation profonde. Voilà, et comment prépare-t-on nos jeunes à tout cela? Alors, ce groupe, bon, il est mis en place début 2020, donc c'est un groupe voilà, assez large, je dirais d'une vingtaine de personnes, donc bon, pour la plupart très actives. Évidemment, les grandes organisations, les établissements, ils sont représentés à travers la CPU, la CGE, CDEFI, les organisations étudiantes, aussi des personnalités. Enfin, moi, je ne suis pas enseignant, hein, je tiens à le dire. J'ai été invité à, disons, ça m'intéresse beaucoup ces aspects enseignement. Je m'étais aussi préalablement intéressé à l'enseignement dans, disons, l'enseignement de la transition dans le secondaire à travers l'Office pour Climate Education, l'OCE, et bien sûr aussi des enseignants. Voilà, nous sommes partis une vingtaine de personnes et nous avons produit des premières recommandations. Alors, tout cela est disponible sur le site, hein, donc une série de premières recommandations en juillet que nous avons remises avec donc Luc Abadie, qui a joué un rôle important, qui était rapporteur. Donc, Luc est spécialiste de biodiversité, hein. Je crois que c'est un des grands spécialistes de biodiversité en France. C'est un rapporteur qui a beaucoup travaillé. Je tiens à remercier aussi disons, le ministère qui nous a bien soutenus dans ces tâches. Voilà un premier rapport. Mais il faut quand même rappeler la lettre de mission. Elle est ambitieuse, la lettre de mission, puisque, en gros, elle nous dit au départ comment va-t-on sensibiliser et former 100% des étudiants à la transition écologique, hein, telle que je l'ai définie au sens large. C'est ça la mission. Et disons, comment fait-on pour que cette sensibilisation ait touché l'ensemble des étudiants à l'issue de leur cursus, alors quel que soit le type d'établissement, bien sûr, université, école, ou même, enfin, bien sûr, ça inclut aussi les établissements qui ne sont pas du ressort du MESRI. C'est l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, quel que soit, je dirais, leur tutelle, leur ministère de tutelle. C'est bien cela, le contexte. Voilà, nous avons. Bon, là, il y a eu un blanc ensuite. Il y a eu un blanc parce que, disons, nous étions, dans l'idée, nous étions invités, effectivement, à continuer ce rapport sur une seconde phase. Attendez, je vais arrêter ça. Dans une seconde phase, mais cette seconde phase a pris un certain temps à être lancée. Alors, je crois que l'argument du ministère est tout à fait, disons, clair. Le ministère souhaite, disons, c'était la période, nous sommes deuxième semestre 2020, où la LPR se met en place et est votée. Finalement, disons, le ministère ne souhaitait pas qu'il y ait interférence entre la deuxième phase de notre rapport, disons, plus la mise en œuvre, je dirais, et la mise sur pied de la loi. Et parce que dans cette loi, effectivement, eh bien, et c'est intéressant, important, c'est que, et le ministère y était pour quelque chose, évidemment, cette mission, c'est désormais une mission inscrite dans la loi pour le service public de l'enseignement supérieur, il doit contribuer à la sensibilisation, la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Hein, c'est vraiment inscrit dans la loi. Ça donne effectivement, d'une certaine façon, une autre dimension à cette mission et, disons, au rapport. Alors,
La deuxième phase du rapport, donc, elle a commencé disons, en mars 2021 et nous a pratiquement fallu un an, hein, puisque, disons, voilà, entre le début de seconde phase. Alors, de nouveau, notre groupe de travail a été, disons, enrichi de nouveaux membres, de quelques nouveaux membres, et nous sommes partis sur cette seconde phase, que je dirais plus la mise en œuvre opérationnelle des recommandations. Disons, si vous regardez les premières recommandations, elles sont assez générales, ce sont des recommandations de bon sens. J'imagine, au moins, ce ne sont pas des, pas beaucoup de recommandations, disons, chiffrées, parce que l'idée, c'est bien de l'adhésion et non pas, je dirais, comment on entraîne des établissements d'enseignement supérieur dans cette dynamique de sensibilisation. Et puis, il y a pratiquement un an entre, disons, la seconde phase de rapport, nous avons vu le rapport donc, avec Luc le 16 février, voilà, donc 2022. Alors, Je redis peut-être des choses là que j'ai déjà dites, mais voilà, disons, on voit bien que tout se coagule vers cette nécessité de la transition et son urgence, hein, l'urgence climatique évidemment, la chute de biodiversité, les pollutions, les problèmes de santé, d'environnement. On peut l'aborder aussi à travers les limites planétaires, hein, c'est de plus en plus évoqué, hein, il y a 6 des 9 limites planétaires sont désormais dépassées, hein, c'est quand même important, à part celle de l'ozone et, disons, et celle des aérosols, toutes les autres pratiquement sont dépassées. Bien sûr, les problèmes de santé, d'environnement, les problèmes économiques, et finalement, plus largement, hein, finalement, ce problème de développement de nos sociétés, comment peut-on développer, disons, de façon harmonieuse nos civilisation au XXIe siècle. Et enfin, je suis de ceux qui sont convaincus que si nous ne prenons pas la mesure de cette transition, de la nécessité, de l'urgence écologique de la biodiversité, eh bien, je crains que nous n'arrivions pas collectivement à mettre en place un développement harmonieux de nos sociétés au cours du XXIe siècle. Il ne l'est pas pour le moment, mais voilà, donc on peut toujours avoir l'espoir, mais on voit bien que le mot-clé de cette transition était évidemment la solidarité au niveau international, et nous sommes loin d'y être, mais voilà, j'espère que nous nous mettrons sur une trajectoire plus solidaire au cours des prochaines décennies au niveau international. Alors au niveau national, je l'ai redit, il y a disons vraiment le rôle des étudiants a été extrêmement important. Voilà, mais c'est vrai, et les étudiants nous-mêmes nous disent, évidemment, ceux qui ont rejoint notre groupe de travail, et je les en remercie, et je remercie d'ailleurs tous les membres de ce groupe de travail, ceux qui sont vraiment se sont joints à ce groupe de travail étaient extrêmement motivés, mais il faut bien reconnaître, et c'est vrai pour toutes les générations, disons, il y a une partie des étudiants aujourd'hui qui est très motivé par cette transition, hein, ces différents aspects. Enfin, chacun peut s'intéresser à différents aspects aussi de cette transition, mais force est de constater que ce n'est pas l'ensemble de la génération. Hein, et c'est ça la difficulté de notre mission, de notre feuille de route. Comment sensibilise-t-on 100% des étudiants? Le constat qu'il y a trop peu d'enseignement, voilà, par rapport à cette transition. Ceci étant, il y a beaucoup d'initiatives. Hein. Il ne faut surtout pas dire que rien ne se fait. Il y a énormément d'initiatives. Je crois que l'accord de Paris, le rapport du BES a marqué quand même, disons, a été un marqueur et a été pour beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, le signal, disons, cette nécessité absolue de s'intéresser à la transition. Alors, je le redis, toute la société doit être concernée. L'effort va donc concerner tous les étudiants. Hein, c'est la feuille de mission. Et ce n'est pas simplement au niveau des connaissances, mais aussi, disons, le passage à l'action. Les étudiants qu'on a côtoyés à travers des organisations, ou plus largement, il m'arrive assez souvent, bien sûr, d'intervenir dans des groupes étudiants, lycées, universités, eh bien, disent clairement que c'est aussi pour eux, disons, pour ceux qui sont impliqués, c'est aussi, d'une certaine façon, le passage à l'action qui est important. Alors, des règles, j'aurais dit, bien sûr, que ben, disons, qui sont assez intangibles et que nous avons respectées, hein, bien sûr, respect de l'autonomie des établissements, diversité des initiatives, hein, je le redis, il y a déjà beaucoup d'initiatives, et la liberté pédagogique des enseignants.
Et en fait, notre démarche, je le redirai, il y a quand même, disons, une recommandation chiffrée, hein, j'y reviendrai, hein, 6 ECTS dédiés à la transition, c'est, je crois, la seule. En fait, l'idée, ce n'est de pas d'imposer, disons, de ne pas faire, de toute façon, ce ne sont que des recommandations dans ce rapport, mais l'idée, c'est de faire adhérer les établissements, de leur donner un cadre, de les aider à répondre à cette invitation, finalement, qu'il aurait faite de sensibiliser et de former leurs étudiants à la transition. C'est bien ça notre démarche. Donc, si vous ne trouvez pas, disons, de recommandations chiffrées, disons, eh bien, c'est, je crois, aussi l'état d'esprit dans lequel nous étions. Comment vous fait-on adhérer, hein, bien sûr, puisque vous êtes ici réunis, sont les directeurs généraux des services, et vous jouez un rôle très important, hein, parce que nous soulignons que quand on parle de formation de transition, ce ne sont pas simplement, disons, les étudiants, même s'ils sont importants, qui doivent être formés. J'y reviendrai d'ailleurs, et je vais le mentionner ici, parce que y a vraiment un souci de, même si le titre, c'est l'enseignement de la transition dans l'enseignement supérieur, donc d'une certaine façon, on pourrait dire, disons, cette mission est dirigée vers les étudiants, eh bien, d'abord, il y a une continuité, je dirais, nous souhaitons une continuité avec le secondaire. Il y a beaucoup de choses aussi qui changent dans l'enseignement secondaire, et il faut absolument que, eh bien, disons, quand les jeunes arrivent à l'université, on ne leur fasse pas refaire ce qu'ils savent déjà. Donc, ça, c'est très clair. Donc, il doit y avoir, et d'ailleurs, nous avons une recommandation à ce niveau, peut-être qu'elle sera, je la citerai après, mais je la cite maintenant, une recommandation d'une interaction avec les éco-délégués, hein, des lycées, et puis, disons, bien sûr, les étudiants ou les instances étudiantes, ou d'ailleurs, les instances universitaires, pour savoir, sur un site donné, comment on procède, comment on peut avancer en construisant à partir de ce que les étudiants savent. Ça être, le risque, évidemment, c'est que ça peut être aussi extrêmement disparate au niveau des étudiants, enfin, des lycéens, mais il y a absolument ce besoin d'interaction. Il y a aussi continuité, disons, dans l'autre direction, même si ce n'est pas inscrit dans le titre. On a vraiment une mission d'enseignement tout au long de la vie et voilà, une mission forte aussi, disons, pour les établissements d'enseignement supérieur à s'y investir et aussi à une invitation pour les entreprises. Et d'une certaine façon, ces établissements d'enseignement supérieur, eh bien, on peut les considérer comme une entreprise un peu particulière, mais disons que cette formation, cette sensibilisation, là aussi, eh bien, ça s'adresse aux instances dirigeantes, mais ça s'adresse aussi aux enseignants eux-mêmes, et à tous les services. C'est vraiment cette sensibilisation, c'est à l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est un message assez clair. Donc, bien sûr, ceci étant, je vais d'abord vous parler de ce que nous recommandons vis-à-vis des étudiants. Alors, vis-à-vis des étudiants, eh bien, dans la mesure où la feuille de route nous dit, en gros, vous allez vous intéresser à 100% des étudiants, la meilleure façon d'y répondre, effectivement, c'est de s'y mettre tout de suite. En gros, on priorise le niveau Bac plus 2, parce que tout le monde y passe. Voilà, et puis il y en a qui quittent l'enseignement supérieur à ce niveau. Donc, Bac plus 2, Bac plus 3, ça peut dépendre, mais c'est vraiment, il faut s'y prendre tout de suite. Alors, donc, c'est une des difficultés. Donc, bien sûr, la sensibilisation, la formation ne sera pas la même, on est bien conscient, vis-à-vis, disons, d'une école d'ingénieur, d'un établissement scientifique ou d'établissements médicaux. HSP, il y a plein de choses différentes. Hein, et donc, il faut tenir compte de ces différences. Bien sûr, les sciences sociales vont aborder cette sensibilisation d'une façon différente, mais tout le monde est concerné. Que vous soyez historien, géographe, sciences humaines et sociales, voilà, disons les sciences médicales, tout le monde est concerné par cette transition. Ça, c'est quelque chose qui doit être très fortement marqué. Ce n'est pas simplement une formation pour les scientifiques, ce n'est pas du tout cela. Et bien sûr, la formation doit être adaptée, disons, au niveau, à la discipline, au métier. Voilà, donc, et aussi avec, disons, parce que des possibilités très larges, bien sûr, au niveau de l'apprentissage, la formation continue, je le redis. Il doit être diffusé dans tout l'enseignement supérieur,
Bon, voilà, des choses que j'ai dites, hein, hors tutelle de l'esprit, et puis une coordination. Donc, on propose d'ailleurs, hein, une des choses que nous avons proposées, qui se mettre en place, c'est une coordination des, justement, qui, c'est une mission, nous avons d'ailleurs parlé avec Sylvie Retailleau il y a une quinzaine de jours, de mettre en place une mission de coordination au niveau des DGS. Hein, donc, voilà, parce que c'est aussi cette mission de l'ensemble des DGS, pas simplement interministérielle, c'est-à-dire de toutes les DGS, des différentes, qui peuvent être, sont des différentes tutelles. Donc, bien sûr, il y a aussi des formations plus ciblées, plus clairement établies. Alors, donc, comment, il y a eu beaucoup de, moi, je ne suis pas enseignant, mais j'étais très sensible à cette approche. Disons un référentiel de compétences, hein, donc des compétences très larges. Voilà, vous le savez, il y a des référentiels qui existent déjà. Je pense que beaucoup d'entre vous vous les connaissez. Voilà, j'en suis moi-même familier, mais voilà, disons, appréhender les équilibres et les limites de notre monde par une approche systémique, hein, problème des ordres de grandeur, des incertitudes. La co-construction, hein, c'est très important, cette recommandation pour construire ce programme avec les enseignants, avec, disons, tout le tissu d'une université, d'un établissement, ça c'est très important. Voilà, donc aussi faire des choses concrètes, hein, et puis agir en responsabilité, c'est-à-dire de façon très claire, que chacun sache, je crois, ce qu'il a à faire, et je le redis, hein, c'est avant tout un cadre d'adhésion. Hein, donc je crois que c'est un cadre d'adhésion qui est quand même. Dont beaucoup d'établissements comprennent maintenant, je veux dire, l'intérêt d'ailleurs, hein, c'est extrêmement intéressant. C'est difficile, hein, c'est largement transdisciplinaire, ça ne va pas être simple à mettre en place, on comprend bien, mais les établissements comprennent l'intérêt, enfin, pour beaucoup d'entre eux. Bien sûr, j'ai fait ce type de présentation, nous avions les présidents de la CPU, de la CDFI et de CGE. Il y a eu des discussions, on voit bien en tout cas qu'à ce niveau, il y a absolument une adhésion à l'idée de former les jeunes à la transition. Voilà, donc ça existe, et quand même, il faut tailler un cadre européen de plus en plus clair aussi au niveau des compétences. Il va y avoir un cadre européen au niveau des référentiels de compétences, où il est déjà défini peut-être. Et puis, il faut bien reconnaître que du côté des étudiants, eh bien, il commence à y avoir effectivement un regard, c'est ce qui se fait dans un établissement en termes de formation à la transition. Donc aussi, c'est intéressant, disons, ça répond à une demande des étudiants. Je le redis, pas de tous les étudiants, mais d'une part, je l'espère, croissante des étudiants. Alors, bien sûr, on ne souhaite pas proposer un module clé en main, mais donc, je le redis, hein, donc, liberté pédagogique, approche compétences que j'ai citées. On privilégie l'approche transversale, c'est-à-dire intégrée déjà dans les enseignements existants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de création d'enseignements complémentaires, mais c'est à privilégier l'intégration dans les enseignements existants. Et il y a peu d'enseignements auxquels on peut dire, on ne peut pas parler de développement durable, disons, de transition. Ça peut être vrai en économie, ça peut être vrai en sciences sociales, ça peut être vrai, disons, sur les problèmes de médecine, de santé, de l'environnement. Il n'y a pas, je crois, une seule discipline qui puisse se dire la transition écologique au sens large n'est pas mon problème. C'est très clair pour moi. Donc, voilà, des modules dédiés aussi, on le redit, même si on privilégie l'intégration dans les modules existants, ce qui demande beaucoup d'efforts au niveau des étudiants, des enseignants. On se rend compte que c'est largement transdisciplinaire, de concertation, hein, mais ça peut être aussi intéressant au niveau d'un établissement. Voilà, des modules dédiés, des semaines dédiées, hein, vous trouverez tout ça, bien sûr, tout ça est disponible. Des démarches pédagogiques innovantes, hein, donc mise en situation, on parle de la fresque du climat, mais je vois maintenant beaucoup de jeunes la font déjà au lycée ou très tôt, donc voilà, la biodiversité également, cette fresque, l'action à travers des projets et des stages. Il y a aussi beaucoup à faire, disons, au niveau du campus, hein, généralement, déjà.
disons, rendre, disons, le campus en phase avec cette idée de transition, peut-être aussi un objectif commun à l'ensemble d'un établissement. Ça, c'est déjà un terrain de jeu, je dirais, un terrain d'expérimentation extrêmement intéressant. Hein, donc, il faut en utiliser tous les ressorts. Voilà, et bien sûr, un soutien. Voilà, la recommandation chiffre, enfin, on a quand même une recommandation, c'est la seule qui disons, soit, je crois, disons, chiffrée, c'est nous estimons qu'il faudrait effectivement établir 6 ECTS, nous consacrer à cette formation, cette fois, plus que pas que la sensibilisation. Voilà, assez discipline, hein, je dirais. Il faudrait quand même que chacun sache à la fin de son cursus. Pourquoi sa vie de tous les jours affecte notre environnement. Et donc je cite parce que ça m'a un peu surpris, mais une enquête récente de l'IFOP, il y a moins d'un an, eh bien, ce sont les jeunes de 19-35 ans. On leur demande quelle est votre première préoccupation. La première préoccupation, eh bien, c'est effectivement les problèmes environnementaux. Au même panel, disons, le même panel, la question des émissions de gaz à effet de serre pense que le nucléaire émet autant de gaz à effet de serre que le fossile. C'est ça actuellement la connaissance. Il y a une méconnaissance complète de la façon dont nous affectons notre environnement, dont nous affectons une méconnaissance assez large quand même de ce que sera cette transition. Et elle va se mettre en place, ou bien qu'elle se mette en place d'ailleurs, elle commence à se mettre en place. Donc, une dynamique d'établissement et de mutualisation, donc, bien sûr, à travers voilà, la variété d'établissements est bien sûr reconnue, il faut vraiment que la gouvernance de l'établissement, c'est-à-dire, disons, s'engage au niveau à travers une vice-présidence, ou bien ça, c'est le problème de chacun, mais s'engage, c'est vraiment au niveau de la présidence, de la gouvernance de l'établissement, c'est qu'il doit y avoir cet engagement par rapport à la transition. Voilà, donc, il y a bien sûr de l'évaluation, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, donc on en est bien conscient, on ne va pas refaire le monde, au contraire, notre recommandation est de s'appuyer sur ce qui existe. Voilà, donc, la lisibilité, donc, voilà, on parle du vice-président. La mutualisation des ressources, nous attachons beaucoup de, et bon, je dois citer que bon, comme nous sommes à Rennes, vous êtes à Rennes aujourd'hui, hein, donc moi-même, c'est une ville que je connais bien, bien sûr, je suis né tout à côté, voilà, et eh bien c'est vrai que il y a vraiment une véritable recommandation pour une politique de site. On imagine bien que dans un établissement, il peut y avoir des, disons, des enseignants déjà formés à la transition, et puis un autre établissement à côté, eh bien, disons, n'a absolument pas de ressources dans ce domaine. Donc, s'il n'y a pas de politique de site, de mutualisation des moyens, pas simplement des moyens financiers, mais voilà, de certains modules peut-être autour d'enseignants déjà formés, parce que ça va être le véritable problème, la formation. Alors, la formation, elle est intéressante, nous l'abordons à la fois, bien sûr, la formation dans l'INSPE, donc on a parlé beaucoup, hein, comment on forme les enseignants du secondaire, c'est très important, c'est une mission, bien sûr, de l'université. Nous avons tout un chapitre sur l'enseignement supérieur, en tout cas, nous avons tout un chapitre sur la formation des enseignants. La formation des enseignants également aussi du supérieur est loin d'être est tout aussi importante. Donc, c'est bien sûr une recommandation que nous faisons, cette politique de site, cette mutualisation, parce que ça prendra du temps d'avoir des enseignants formés. Et si au départ, on n'y met pas, disons, chacun des nôtres, disons, eh bien, cette politique de site peut être vraiment, je crois que c'est intéressant. J'étais heureux au niveau de mon intervention à Rennes de voir que tout l'établissement rennais était présent. Donc, c'est cela, effectivement, c'est la voie qu'il faut emprunter, c'est-à-dire avoir des discussions au niveau d'un site, là, les réseaux régionaux, et puis aussi, je pense, nous pensons que les régions elles-mêmes, disons, je dirais que les collectivités locales, les régions peuvent avoir beaucoup à dire sur cette transition, parce que cette transition peut avoir
Il y a effectivement, en termes, par exemple, d'adaptation, on peut avoir des spécificités aussi régionales intéressantes en termes de développement économique, en termes de liens sociaux. Donc, il faut aussi, je crois, disons, peut-être regarder à l'échelle, disons, régionale, à l'échelle des sites. Voilà. Donc, on parle aussi de la formation continue des anciens chercheurs. Tout ça, ce sont des choses qui semblent évidentes. Échange d'expérience, je le redis. Donc, c'est une ambition importante. Alors, maintenant, si on s'adresse chacun, disons dans notre rapport, nous sommes adressés, je dirais, à l'ensemble des parties prenantes de cet écosystème d'enseignement supérieur. D'abord, bien sûr, il y a des recommandations qui s'adressent, je dirais, d'une certaine façon à l'État, en tout cas, voilà, aux instances, je dirais, disons, nationales. Ça peut aller de, eh bien, voilà, donc, voilà, nous, par exemple, nous avons rencontré le HERS et donc qui a été sensibilisé avec l'idée, effectivement, que, eh bien, cette implication pour un établissement, ça peut faire partie de la feuille de route, effectivement, à la fois des contrats d'établissement, mais aussi, effectivement, de l'évaluation elle-même. Donc, la HERS, le ministère, doit jouer un rôle important. Bien sûr, d'une certaine façon, un rôle moteur en termes de moyens, mais on voit bien, c'est plutôt un rôle d'entraînement. Bien sûr, il y a cette autonomie des établissements auxquels tout le monde est attaché. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce que c'est comment on motive, comment on entraîne les établissements. Et là, je vous redis, le niveau du DGS est extrêmement important, parce que ce ne sont pas simplement les enseignants, les étudiants, et puis, bien sûr, tous les personnels. Donc, quand on parle des établissements, ensuite, il y a toute une séquence, si vous consultez disons le rapport qui est disponible, il y a toute une séquence aussi sur effectivement les établissements eux-mêmes, mais quand on parle des établissements, c'est l'ensemble des voilà, donc c'est pas simplement les directions d'établissement, mais c'est l'ensemble des personnels, c'est très clair. Voilà, et puis c'est dirigé, on le dit quand même en priorité par les étudiants, mais comment fait-on avec les enseignants-chercheurs? Et ce n'est pas simple. Donc, comment fait-on pour finalement, de façon concrète, qu'il s'implique dans cette transformation pédagogique. Voilà, je relis peut-être des choses que j'ai dites, mais ils se forment, sont finalement relativement peu qui sont prêts, à parler de transition écologique, sans avoir une formation complémentaire. Il faut, je redis, il y a cette politique de site. C'est aussi probablement de nouvelles modalités pédagogiques, en particulier cette transversalité qui est forcément inscrite dans cet enseignement, dans cette sensibilisation. Donc, il y a aussi, on souligne à chaque fois, on voit bien que c'est un travail au niveau des établissements, au niveau des sites, c'est peut-être un travail supplémentaire, ça peut être aussi porteur d'un dynamisme au niveau des établissements, je crois, et d'un site. En tout cas, c'est notre espoir. Voilà, donc. Les recommandations sont évidemment d'intégrer, à la fois en termes de formation, les anciens chercheurs auront effectivement probablement du temps supplémentaire, une partie de leur temps à consacrer à leur propre formation, et puis aussi bien sûr à la mise sur pied peut-être de nouveaux modules pour certains, sans infléchir leurs modules pour d'autres, et c'est quand même intégrer l'effort pour cette transformation pédagogique dans les états de service. C'est une recommandation avec compensation de la masse salariale complémentaire initiale induite ponctuellement. Bien sûr, nous n'avons pas fait d'évaluation, nous n'avons pas mis d'évaluation, mais on voit bien que ça ne marchera pas sans moyens dédiés, et donc dédiés probablement supplémentaires. Donc, valoriser l'expérience par cette transformation, disons, dans les
niveau de ressources humaines. Et là, évidemment, je crois que c'est important à votre niveau, la qualification, le recrutement, dans les avancements, l'évaluation individuelle, sinon la passerelle secondaire supérieure, et puis dans les sections du CNU, évidemment. Voilà donc, mais ça, disons, ce qui ressort des discussions, nous avons quand même pas mal d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, disons, qui se sont impliqués dans ce rapport, et donc ce qui revient, je dirais, de façon assez générale, c'est que, bon, voilà, ils sont, bah, bien sûr, ceux qui étaient avec nous sont déjà intéressés, hein, bien sûr, mais beaucoup ils se plaignent d'une quantité de tâches non pédagogiques croissantes et bon, ils préféraient effectivement consacrer leur temps à, disons, à mettre en place de nouveaux modules ou à se former, voilà, que, disons, à ces tâches non pédagogiques. Hein, je pense que vous pouvez les identifier facilement. Donc, voilà, remplir beaucoup de formulaires, quelquefois en plusieurs, enfin, disons, quelquefois de façon répétitive. Voilà, donc, mobiliser les congés pour des projets pédagogiques. Voilà, donc en format simplifié. Alors, ouvrir le CCRT, alors je ne suis pas très bon à toutes les personnes donc, sur les sigles, mais vous devez très bien savoir de quoi il s'agit vous-même, hein, j'imagine. Voilà, donc avec les étudiants, la transformation, je ne suis pas naïf. Les étudiants avec lesquels nous sommes en contact, et on arrive souvent de faire aussi des conférences, mais les étudiants qui viennent des conférences sur l'évolution du climat sont des étudiants déjà motivés et très souvent déjà connaisseurs. Je ne suis pas naïf, ce n'est pas l'ensemble d'une génération d'étudiants, et la difficulté, c'est de faire passer ce dynamisme d'une partie des étudiants, ce dynamisme vis-à-vis de la transition, vis-à-vis de l'intérêt qu'ils y portent, à l'ensemble d'une génération, et ce n'est pas si facile, on en est bien conscient. Mais c'est bien ça le défi auquel collectivement et avec vous, nous devons faire face, c'est quand même bien ça. Donc, voilà, mais évidemment, c'est l'ensemble des étudiants. Les associations d'étudiants se sentent concernées, hein, donc en tout cas les associations elles-mêmes, voilà, donc à la fois elles participent à la définition des référentiels, il y a beaucoup de travail commun déjà, des compétences à chaque formation. On recommande une implication des étudiants pour orienter les formations, donc on parle quand même de co-construction, hein, il y a beaucoup de connaissances chez ces étudiants, hein, donc disons, mettons-les à profit. Hein, disons, il y a tellement d'étudiants qui, disons, sont déjà bien formés. Disons, il faut aussi, je crois, voilà, au niveau des maquettes, des modules, de stages, voilà, comment ces étudiants qui ont envie de faire les choses peuvent servir aussi de catalyseur à l'ensemble de leur génération. Alors, voilà, disons que la vie étudiante doit être aussi mobilisée pour le soutien d'initiatives étudiantes. Mettre en place des ressources au niveau de la valorisation de l'engagement associatif qui est très souvent, effectivement, qui se place aussi, l'engagement associatif, très souvent dans une dynamique de transition. Quand on pense à cette transition au sens large, socio-écologique, c'est bien aussi l'enseignement associatif qui en est souvent un des piliers. Alors, voilà, donc, on recommande le soutien à l'organisation d'une convention nationale annuelle des étudiants, voilà, avec les organisations étudiantes. C'est un soutien qui, bon, voilà, donc, ça se fait. Et puis, une pérennisation de leur initiative grâce aux services civiques et aux emplois. Donc, quelles sont maintenant nos recommandations? Eh bien, les recommandations, disons, à court terme, disons, sont... Alors, où en sommes-nous quand même? Alors, peut-être c'est intéressant. Bon, on a le sentiment que le, disons, ces recommandations, ce rapport a été reçu positivement, du moins par ceux qui s'y sont intéressés. Voilà, on a eu des retours plutôt positifs, beaucoup de demandes, de présentation de ce rapport. J'étais heureux, par exemple, voilà, donc beaucoup de. Dans son discours de Marseille, le rapport a été vraiment spécifiquement cité par Emmanuel Macron.
Là, donc, quand on regarde le récent article du Monde, il y a 2 ou 3 jours, dans lequel, disons, la mise en œuvre de ce rapport fait partie, enfin, d'après le Monde, des priorités de Sylvie Retailleau, sont plutôt des retombées assez positives, en tout cas. Voilà, donc, on n'a pas eu de retombées négatives en ce sens, voilà, mais peut-être. Y a-t-il beaucoup d'établissements qui ne s'y intéressent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, plutôt un retour assez positif. Et effectivement, nos recommandations étaient aussi, disons, voilà, disons, de déploiement, effectivement la mise en place. Donc, on avait 2 recommandations fortes. Donc, la mise en place d'un dispositif pérenne, alors donc, bon, de déploiement. En gros, notre idée, notre constat, mais je pense que vous le faites aussi, c'est qu'il y a énormément d'initiatives. Il y a beaucoup de choses qui se font. Hein, ça, c'est très clair. Voilà, il y a des MOOC, dans beaucoup de MOOC, il y a beaucoup de choses qui se font dans beaucoup d'établissements. Je le redis, pas dans tous les établissements, pas dans toutes les disciplines, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais nous imaginons qu'un établissement, disons qu'un enseignant, eh bien, qui veut effectivement, je dirais, bah, répondre à cette sollicitation disons, de sensibilisation, de formation à la transition écologique dans son domaine d'enseignement ou dans son université, eh bien, disons, un enseignant ou une université elle-même, disons, sa direction, enfin, en tout cas les personnes en charge de la mise en place de ces programmes, de cette, disons, la concrétisation de ces objectifs, eh bien, souhaiterait trouver, disons, un endroit finalement où elle peut s'adresser pour avoir des informations, donc sur ce qui se fait déjà, sur, par exemple, les mécanismes de financement. Il peut y avoir, par exemple, des mécanismes de financement assez intéressants au niveau européen, mais il faut encore les connaître. Voilà, et donc, c'est vraiment l'idée de mise en place d'un dispositif, relativement léger, donc on l'a appelé, mais pérenne, donc on n'a pas donné de nom pour le moment, et dont, effectivement, la mission serait, sinon, d'une façon de centraliser ce qui existe, hein, disons, de plateforme, tout ce qui existe est centralisé, de servir de conseil à toute personne qui souhaite en avoir sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, je le redis, sur les mécanismes de financement. Donc là, on l'appelle Pôle national de ressources pédagogiques et scientifiques à la disposition de santé. Bon, c'est l'organisation d'un pôle, hein, disons, qui serait plus de ressources, mais ce n'est pas la plateforme, c'est plus qu'un simple pôle de ressources. Donc, voilà, donc au niveau des suivis, des référentiels, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen. L'accompagnement des réseaux professionnels, des enseignants, parce qu'on pense aussi qu'il y a aussi, alors, disons, voilà, un portail des financements disponibles. Tout cela, c'est une mission, hein, quand je relis ce que nous avons mis, ce que je ne faisais pas, eh bien, voilà, on retrouve l'animation aussi, d'animation des acteurs et d'observatoires. Hein. Donc, bien sûr, il faut aussi, non seulement, il faut qu'on soit capable, je dirais, d'avoir un rapport annuel disant ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. C'est très clair, ce rôle d'observatoire est pour nous très important. Il faut être capable d'évaluer. Bien sûr, ça peut être le rôle de. Nous pensons que, là aussi, nous n'avons pas de. Et ce n'est pas notre rôle d'imposer de quoi que ce soit au HCERS. Nous avons senti du côté du HCERS, nous avons une véritable envie, un intérêt pour faire rentrer, je répète, cet aspect transition dans les mécanismes d'évaluation, dans les contrats d'établissement, disons, voilà, dans la mise, on voit bien que les nouveaux contrats d'établissement, il faudrait que, si on veut que la mécanique se mette en place, il faudrait que disons, ces aspects transition soient réellement inscrits dans les nouveaux contrats, donc ça me le demande. Donc ça, c'était une première demande, donc la mise en place d'un pôle, d'un dispositif pérenne. Alors, on était ambitieux, on avait dit au départ, dans notre première présentation, disons, à la fin 2022, mais je dirais que dès le premier semestre 2023, nous souhaiterions une conférence de lancement, disons, avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Alors,
Donc avec comme objectif, comme c'est inscrit dans la loi, une évaluation de l'avancée de la transformation pédagogique par le Parlement en 2027. Alors, c'est intéressant, donc nous avons remis effectivement le rapport à Frédéric Vidal, et c'était intéressant pour nous. Alors, d'une certaine façon, la remise d'un rapport veut dire que notre groupe de travail a terminé, disons, n'existe plus. Bien sûr, mais en pratique, nous nous sommes de nouveau réunis, nous avons discuté et voilà, nous avons dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès sa mise en place, je ne sais pas qui sera le gouvernement, deux choses intéressantes, c'est que dès sa mise en place, Sylvie Retailleau, le lendemain, nous recevions, Luc et moi, un SMS le dimanche. Le gouvernement a dû être formé le samedi. Dès le dimanche, nous recevions un SMS de Sylvie Retailleau qui disait: mes services vont se mettre en contact avec vous pour que nous rencontrions rapidement. Et effectivement, nous nous sommes rencontrés il y a maintenant une quinzaine de jours. Et un point intéressant aussi pour ceux qui la connaissent, c'est que dans ce domaine de développement durable, la conseillère de Sylvie Retailleau, en tout cas dans la configuration actuelle, et Jeanne Lecomte, qui était membre de notre groupe de travail, donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc je dirais en tout cas, bien sûr, on voit bien que les ministères avaient mission de ne rien mettre en route avant le 19 juin, hein, même la nomination du nouveau gouvernement, on verra bien. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'une réunion, d'une conférence de lancement à l'automne était actée, et l'idée aussi de mise en place d'un dispositif pérenne. Donc, tout simplement, notre groupe de travail s'était accepté dans l'idée, nous sommes mis à disposition du ministère, je dirais, s'il y a le souhait, il semble le cas que nous investissions un peu dans l'organisation de cette journée. Et ensuite, évidemment, notre rôle en tant que groupe de travail sera réellement terminé. Ce sera le rôle du ministère que de mettre en place cette plateforme, ou de ne pas la mettre en place. Mais enfin, si on veut que cette stratégie se mette réellement en place de formation, de sensibilisation, je crois qu'il faut effectivement que le ministère, c'est une mission qu'on lui fait, bien sûr, agissent en ce sens. Voilà, je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup Monsieur Jouzel pour votre intervention. Donc effectivement, on a 10 minutes, un quart d'heure pour un certain nombre de questions. Je vais peut-être vous en poser une première concernant finalement... pour les établissements, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou bien des universités, dès lors que l'établissement manquerait de volonté propre d'aller assez rapidement vers les transitions en matière de formation ou autre, est-ce que vous pensez que des incitations extérieures, qu'il s'agisse de classements internationaux ou d'agences d'évaluation, vous avez évoqué l'HERS ou autre, peuvent constituer des incitations justement ou pourrait permettre de faire bouger un peu le système, parce que c'est vrai qu'on a une grande hétérogénéité d'établissements de gouvernance et tout le monde n'avance pas au même rythme, donc quel est votre regard par rapport à ça? Donc on a un regard très précis, puisque je crois qu'une de nos recommandations, dont je ne connais pas toutes par cœur, vous n'allez pas en vouloir, mais effectivement nous recommandons que ce volet, et c'est déjà fait dans certains classements internationaux, ce volet transition soit pris en compte dans les classements internationaux. Ça prendra du temps, mais donc effectivement, c'est une recommandation que nous faisons au niveau des classements internationaux. Je ne crois pas me tromper. Donc c'est bien l'idée. C'est aussi nous avons interagi avec le HCRS. Bien sûr, le HCRS, je le redis, est libre de faire ce qu'il veut. Mais bien sûr, si c'est intégré dans l'évaluation du HCRS, et aussi intégré dans la s'il y a des lignes spécifiques dans le contrat d'établissement, ça prendra, le renouvellement de contrat d'établissement, ça prendra bien sûr pendant 4 à 5 ans. Hein. Mais si dès à la rentrée, pour la prochaine vague, c'est intégré dans les contrats d'établissement, on voit bien que ça peut servir aussi, bien sûr, de motivation
pour l'établissement à, disons, y porter une attention. Hein, donc oui, voilà, on ne veut pas mettre trop de pression, mais c'est quand même, disons, si ce n'était pas dans les contrats d'établissement, si ce ne s'est pas mentionné, c'est clair que ça ne favorise pas la mise en place d'une dynamique transition. Véronique. Bonjour, je vous remercie. Peut-être un exercice impossible, mais pour, parce que ça, c'est comment y parvenir, mais pour créer l'envie, hein, parce que c'est quand même toujours Eros qui nous met en mouvement. Est-ce que vous pouvez fermer vraiment 5 minutes chrono, parce que, sauf si le challenge est trop difficile, que vous disiez 2050, de toute façon, même si on faisait remplissait tout ce que l'on dit pour les accords de Paris, quel est l'impact pour nous sur les réseaux, sur tout du climat en 2050, quoi qu'on fasse aujourd'hui pour nous rappeler pourquoi il faut qu'on fasse tout ça pour se mettre en mouvement et convaincre nos partenaires. Oui, très brièvement. Qu'est-ce qu'on doit faire collectivement? Et c'est ça l'idée de l'accord de Paris. On doit prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, au monde, enfin, plus globalement, au monde qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. C'est, je crois, notre devoir, éthiquement. Hein, c'est bien ça. En fait, dans l'accord de Paris, c'est assez intéressant puisqu'on mettait l'accent sur une limitation à 2 degrés, c'est-à-dire l'idée que si on limitait le réchauffement climatique à 2 degrés, on pourrait s'y adapter pour l'essentiel. Et donc, à ces 2 degrés, associer une... On comprend bien que pour stabiliser le climat, il faut, disons, que l'effet de serre arrête d'augmenter. Et c'est un peu ça la neutralité carbone. Hein, voilà. Donc, atteindre neutralité carbone dans la deuxième partie du 21e siècle. Et puis, il y a eu des pays très vulnérables qui ont insisté en disant « Mais ce serait quand même mieux de maintenir le réchauffement climatique plutôt autour d'un degré et demi. On a déjà pris un degré ou un peu plus. Hein. » Et donc, et cette idée, finalement, disons, a conduit d'avoir un rapport spécial du GIEC sur le climat 1.5. Et de façon très claire, la conclusion de ce rapport est que eh bien, ça serait quand même plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement, ou, je veux dire, à leur environnement en général, parce que le réchauffement est aussi cause de perte de biodiversité. Il y a d'autres causes, ce n'est pas le problème, mais c'est vraiment au monde qu'ils connaîtront en 2050 et au-delà, si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré. Et c'est finalement un message qui est bien passé. Alors, il faut bien comprendre que si on veut, plus on est ambitieux dans la limitation du réchauffement, plus on doit être ambitieux dans la date de neutralité carbone. Et grosso modo, si on veut limiter à 1,5 degré, il faut atteindre neutralité carbone en 2050. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, hein, donc d'abord, ce rapport 1.5 nous dit vraiment sur tous les aspects, hein, événements extrêmes, élévation des niveaux de la mer, perte de biodiversité, par exemple, au-delà de 2 degrés, pratiquement tous les récifs coralliens, coralliens, absolument. Ce n'est pas le cas si on limitait à 1,5 degré. En gros, le message est clair. Ce serait beaucoup plus facile de s'adapter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Et à 1,5 degré, eh bien, est associée une neutralité carbone à horizon 2050, qui n'était pas inscrite dans l'accord de Paris, mais qui l'est désormais suite à ce rapport 1.5 et au premier volet du sixième rapport du GIEC, hein, qui a été confirmé. Donc, clairement, le pacte de Glasgow nous dit que on a un peu oublié les 2 degrés, ce qui est tout à fait justifié du point de vue du climatologue. Et désormais, l'objectif finalement de l'accord de Paris, c'est bien de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5. Et ce qui est intéressant, c'est que 3 ans après cette rapport 1.5, eh bien, qui formalisait ce lien entre 1.5 et neutralité carbone horizon 2050, là, il y a quand même 120 pays qui l'ont, inscrit dans leur objectif. Le problème, ce n'est inscrit que dans les textes. Hein. Et donc, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde et l'Arabie saoudite, mais il y a un fossé entre les textes et la réalité. Ça vaut au niveau planétaire. Au niveau planétaire, on sait d'ores et déjà que même si les engagements de l'accord de Paris étaient tenus, ce qui n'est pas gagné, eh bien en 2030, on aura 2 fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour
rester sur une trajectoire 1 degré 5 et nous partons de façon très claire vers un réchauffement de 3 degrés, autour de 3 degrés dans la deuxième partie du 21e siècle. C'est beaucoup trop. Je dirais que c'est deux fois trop par rapport à la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui au niveau planétaire. C'est vrai, il y a une ambition européenne, mais très forte, à moins 55% en 2030 par rapport à 1990, mais c'est très ambitieux. On prend aussi du retard en France. C'est très clairement, disons, la stratégie nationale bas carbone nous dit qu'il faudrait aller deux à trois fois plus vite en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et celles-ci ne prennent pas en compte l'empreinte carbone, c'est-à-dire les importations et les exportations, et l'empreinte carbone, elle, ne diminue pas. Donc voilà où nous en sommes, et donc on a vraiment toutes les raisons. Je redis très souvent, je ne vais pas être trop long, mais... disons, ne pas accepter neutralité carbone, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. C'est extrêmement égoïste par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est bien ça le constat, et bien sûr à ceux qui viendront après nous. Mais il faut bien voir qu'il ne s'agit plus des générations futures, ce dont on parle, ce sont vraiment les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça le message. Disons, l'urgence est vraiment... Et bien sûr, je dirais qu'on ne peut pas parler de réchauffement climatique, c'est vraiment toutes les dimensions de la transition qui sont au cœur de cette véritable transformation du mode de fonctionnement de nos sociétés. Bon, j'ai tenu en 5 minutes, non, 3. Ça. Moi, j'ai une petite question qui est en lien et en rebond. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la prévention de la hausse des températures sur Terre du levier de la géo-ingénierie, c'est-à-dire finalement, voilà, qui fait beaucoup parler d'elle? Est-ce que c'est quelque chose à exclure d'emblée, ou est-ce que finalement, d'une manière ou d'une autre, on peut en tout ou partie s'en emparer? Peut-être si d'aventure on était dans l'incapacité d'atteindre la neutralité carbone. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de mal, mais je vais essayer de dire pourquoi. Bon, j'en pense du mal. Bon, disons que bon, quand on parle de géo-ingénierie, il y a surtout mise en avant l'injection d'aérosols dans la haute atmosphère au niveau d'une dizaine de kilomètres. En gros, à chaque grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dizaines de degrés qui dure quelques années. Et donc, c'est un peu joué, disons, le rôle de volcanologue, volcanologue, d'envoyer ces poussières. Alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a clairement des aspects secondaires sur le cycle d'ozone, sur les précipitations. On va admettre, on va rester optimiste, et admettons que les aspects secondaires, on puisse en prendre la mesure. Ils existent certainement, mais disons que ce n'est pas trop désastreux. Voilà. Et qu'on s'y mette tranquillement. Voilà. Donc, d'abord, en gros, on laisse augmenter l'effet de serre sans trop s'en soucier, puis on va dire on va contrer le réchauffement à travers la géo-ingénierie. Alors, d'abord, le point important, c'est qu'il faut augmenter la dose chaque année. Voilà. Et disons, si on imagine, ça va, tout se passe bien jusqu'en 2047, et puis tout d'un coup, pour une raison, disons, il y a une guerre, ou il y a des problèmes technologiques, des problèmes de gouvernance simplement, on est obligé d'arrêter. Les jeunes d'aujourd'hui, on aura évité un degré, je dirais en France, on pourra certainement un degré d'ici 2050. Ce degré, au lieu de le prendre régulièrement en 3 décennies, les jeunes le prendraient en 2 ou 3 ans et ça serait beaucoup plus désastreux. Donc, c'est vraiment, se lancer dans cet aspect de géo-ingénierie, c'est mettre une épée de Damoclès sur la jeunesse. Je pense que c'est égoïste de la part de nos générations. Et je dirais que le fait que je sois opposé, j'ai signé récemment une pétition à la géo-ingénierie, à ce type de géo-ingénierie, ça dépend ce qu'on met sous le cap géo-ingénierie, ceci étant. À ce type de géo-ingénierie, est largement éthique. C'est-à-dire, je ne crois pas que nous pouvions... Il faut quand même se rendre compte. On demande aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique. Ça ne sera pas facile. Il est inéluctable, je le redis, et je vous assure, malheureusement, notre communauté ne se trompe pas. On leur demande de pomper une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère, parce qu'on va parler d'émissions négatives au-delà de 2050, en gros... Voilà, on émet du CO2 et puis vous allez l'enlever de l'atmosphère, vous débrouillerez, quoi. Et puis, on peut leur mettre aussi cette épée de Damoclès de la géo-ingénierie. Donc, c'est quand même un peu lourd par rapport aux jeunes, disons. Donc, moi,
Avant tout, pour une raison éthique, je ne suis pas favorable à la géoingénierie. Il y a d'autres formes de géoingénierie. On peut parler de reforestation, on peut parler du piégeage et stockage du gaz carbonique. On peut parler aussi, disons, plutôt rendre les nuages plus brillants. Il y a des choses qui sont un peu plus indolores, un peu plus. Disons, je ne suis pas contre l'innovation, au contraire, mais cette innovation, disons, doit se placer dans une réelle. Doit contribuer à une réelle. Disons, une réelle neutralité, enfin une réelle dynamique de neutralité carbone, d'adaptation au réchauffement climatique, et je crois que cette innovation ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de géoingénierie, c'est-à-dire en gros repousser le problème sur les jeunes d'aujourd'hui, et c'est bien ce qui risquerait d'arriver. Moi j'avais une question, Frédéric, c'est derrière toi. Yannick Joly, Université de La Rochelle. J'avais une question sur les recommandations de votre rapport et revenir un petit peu sur notre système d'enseignement supérieur, son organisation et son fonctionnement. Vous faites des recommandations sur le partage de ressources pédagogiques, sur la formation des enseignants, etc., y compris l'enseignement supérieur. Si on veut se placer non plus tant justement en situation de spectateur, et d'encouragement, mais plutôt en situation de pilotage et d'action vraiment dynamique sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aller plus loin sur la refonte du statut des anciens chercheurs, par exemple, qui ont, bien entendu, il y a un attachement à la liberté académique des anciens chercheurs, mais dans le second degré, on a des programmes. Est-ce qu'il faut tendre vers plus de d'incitation formelle, y compris au travers du statut, pour que la transition écologique, l'urgence climatique soient des sujets qui sont quelque part font partie de la formation entre guillemets obligatoire de tout enseignant-chercheur. Faut-il aller vers ça pour être plus dynamique et plus peut-être certain que des choses se font, que ça passe par une évaluation et effectivement peut-être plus formalisée des résultats, que ça passe aussi par un encadrement de l'accréditation de l'offre de formation. Et voilà, est-ce que en termes d'outils de pilotage, il faut aller vers ces solutions-là ou est-ce qu'il faut s'en tenir à plutôt des recommandations et des incitations plus souples? Oui, donc en tout cas, disons, il y a eu beaucoup de discussions au sein de notre groupe et on a eu beaucoup aussi de discussions, disons, l'exemple du numérique, parce que je comprends, excusez-moi, je ne suis pas enseignant moi-même, mais l'exemple du numérique, c'est, disons, un peu, disons, mettre, disons, de façon plus formelle le numérique au cœur de la formation, ça a été fait, je crois. Hein. Et donc, on l'évoque d'ailleurs dans le rapport, est-ce qu'on doit aller vers cela? Bon, nous avons adopté collectivement, mais on a eu beaucoup de discussions, hein. Mais tout le monde a été heureux du rapport à la fin, vraiment plutôt d'essayer d'entraîner les établissements que de leur imposer. Donc c'est l'espoir. On aurait pu prendre effectivement la voie que vous suggérez d'être plus, non pas coercitif, mais plus directif. Voilà, nous sommes limités à ces 6 ETCS et certains diraient déjà c'est beaucoup trop. Hein. Voilà, donc, je dois dire que, bon, ce n'était pas le cas de La Rochelle, parce que bon, je peux quand même saluer votre président a beaucoup participé au débat, Jean-Marc Augier, enfin, ancien président peut-être Jean-Marc, mais en tout cas, voilà. Donc, il n'y a pas eu de levée de bouclier, mais bon, on n'a pas pris cette voie. On peut très bien imaginer que si rien ne se passe, dans 5 ans, il y a un nouveau rapport, que quelqu'un prendra en main en disant ça ne va pas, on fera l'évaluation. Oui, excusez-moi. On peut imaginer en 2027, à l'issue de l'évaluation, eh bien, il y a un nouveau rapport qui dit ça ne va pas, il faut être peut-être un peu plus directif. Mais on a pris une voie plutôt, d'essayer d'adhésion, de faire adhérer les établissements plutôt que de les forcer. Donc, c'est la voie que nous avons prise et on compte beaucoup sur vous. Voilà, c'est ça le. J'imagine très bien que si ça échoue, eh bien, excusez-moi, on entend mal alors. Vous nous entendez là? Mal. Ah. Ça marchait bien. Et là, c'est un peu mieux? Oui, là, ça va bien, oui. Voilà.
On peut imaginer que bon, nous avons pris cette stratégie plutôt d'adhésion. On peut très bien imaginer que suite à l'évaluation qui devrait être faite par le Parlement en 2027, si on constate que rien ne s'est passé ou pas du tout à la mesure, à la hauteur des espoirs, eh bien, ça devienne plus directif. Mais disons que voilà, on a essayé plutôt d'entraîner parce qu'on compte beaucoup. Il y a quand même ce levier des étudiants sur lequel on compte beaucoup. Hein. On compte beaucoup. On voit bien que les étudiants sont une large partie, de plus en plus large, des étudiants motivés et des personnels aussi. Hein, puisque nous avons discuté de l'exemple du numérique, mais nous n'avons pas pour le moment, été très directifs. Nous le reconnaissons, mais ça a été un choix, effectivement. Voilà. Parce que, donc, suite à votre question, vous-même, est-ce que vous auriez souhaité un rapport plus directif? C'est ça que je veux dire, ou bien c'est moi qui pose les questions. Oui, non, juste pour réagir. Oui, enfin, moi, à titre personnel, je pense que on peut facilement imaginer dans notre système, pour le connaître quand même un petit peu tous, je pense qu'on voit bien qu'il est parfois difficile de trouver des consensus, de faire en sorte qu'on soit dans l'interdisciplinarité, qu'il y ait des approches un peu communes entre communautés de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, et d'enseignants également. On a un système qui est quand même complexe. Et donc, j'ai une petite crainte que le mode de l'adhésion, etc., ne soit pas suffisant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le directif absolu, mais par exemple, sur le partage des... dans le second degré, il y a EduSchool, le partage de ressources pédagogiques, etc. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, mais ça passerait par une démarche nationale beaucoup plus effectivement dirigée, sur ce type de choses, faire en sorte que les cycles de formation des enseignants-chercheurs, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Chacun est dans une liberté d'action sur ce plan-là. Je pense qu'il y aurait intérêt à ce que... nos gouvernements peut-être aller plus loin vers ça, pour être vraiment en situation dynamique, vu l'urgence effectivement qui est devant nous et qu'on constate chaque année. Les événements climatiques, je pense, vont se répéter mois après mois. Et il y a cette contradiction entre l'urgence et une démarche qui reste, à mon sens, encore au stade de la bonne intention. Effectivement, et nous, notre difficulté en tant que DGS, je pense, pour revenir à notre situation, c'est qu'on n'a pas forcément, on peut avoir des difficultés parfois à convaincre. On peut passer pour les encadrants ou les technocrates peut-être de l'administration universitaire qui n'ont pas forcément leur mot à dire sur l'action académique. Donc c'est un peu cette difficulté qu'on peut avoir. Donc il faut absolument que les académiques eux-mêmes soient convaincus qu'il faille aller plus loin là-dedans. Mais bon, c'est un point de vue strictement personnel. Bon, je ne vais pas être trop long, mais notre conviction, c'est que la transition, elle ne fait que commencer. Donc, donc, elle sera vraiment en route dans 5 ans quand même, encore plus, elle sera, à notre avis, plus visible. On voit bien sur les objectifs, y compris de la loi en France. Donc, c'est notre espoir que le fait que cette transition, se mette réellement en place, c'est un espoir, hein, c'est pas une certitude, serve aussi de force d'entraînement. Donc, oui, effectivement, je comprendrais très bien que si rien n'était fait de façon efficace au cours des 5 prochaines années, eh bien, il y a un nouveau rapport qui soit peut-être un peu plus alors dirigé plutôt que directif, mais qui soit plus peut-être plus ambitieux. Mais je ne pense pas que nos recommandations manquent d'ambition. C'est ça que je veux dire. Effectivement, ce parti pris d'adhésion peut être regretté par certains, mais c'est justement un rôle important aussi pour tout le tissu. Enfin, tout le monde administratif, la grande administration des universités, c'est aussi un véritable défi, c'est aussi intéressant. Je sais qu'il y a... c'était un peu notre espoir quand même d'entraînement. J'espère que, vous le ferez à La Rochelle. Merci. Il y a déjà des choses qui se font. Merci beaucoup, Monsieur Jouzel. Je vous propose qu'on
qu'on puisse conclure votre intervention à ce stade, là, pour tenir le timing du colloque. Enfin, vraiment, un remerciement ou des remerciements chaleureux au nom de l'association des DGS pour votre intervention. Voilà. Et notamment sur voilà, les propos conclusifs autour de cette ligne de crête entre voilà, la conviction, l'adhésion et puis des choses, en tous les cas, des contraintes extérieures plus prescriptives. Bon, l'avenir proche nous dira si dans quel sens il faut que la balance aille. En tous les cas, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Merci, j'ai été très heureux d'échanger avec vous. Voilà, merci. Donc, je redis, tous ceux qui sont intéressés, il y a un résumé exécutif. Disons, je vous invite à aller effectivement voir ce rapport qui est sur le site. Et merci beaucoup de votre écoute. Et bonne journée, alors, à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci. Au revoir.